Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer Eden TV. Dans l'actualité, ce 13h, une délégation gouvernementale était au chevet des malades du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. C'était ce jeudi matin. Les détails dans un instant. À suivre dans ce 13h, le point de la session extraordinaire de la mairie d'Abomey-Calavi et le nouvel organigramme de la dite municipalité. Et puis en France, le réveillon du Nouvel An est placé sous haute surveillance. Il est hors question de fêter la Saint-Sylvestre en grande pompe dans un contexte de crise sanitaire. Voilà pour le sommaire. Je vous l'annonçais en titre, mesdames, messieurs, les ministres Benjamin Onpatine de la Santé, Véronique Toinfodé Mewanou, des Affaires sociales et Romuald Ouadahi de l'économie et des finances étaient dans la matinée de ce jeudi 31 décembre 2020 au CNHU Hubert Koutoukou Maga de Cotonou afin de régler la situation des patients retenus pour non-paiement des soins. Les détails dans nos toutes prochaines éditions. Et puis dans la suite de cette édition d'information, le conseil communal d'Abomey-Calavi s'est penché sur les propositions du nouvel organigramme de la dite commune. Une session extraordinaire qui fait suite à une lettre circulaire du ministre de tutelle, Laurent Roland-Toninkès, pour les précisions. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a tenu ce mercredi 30 décembre 2020 une session extraordinaire. L'organisation de cette session fait suite à la lettre circulaire numéro 858 MDGL DC SGM DCT SA du 30 octobre 2020 du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale relative à l'élaboration des organigrammes et des manuels de procédure des mairies du Bénin. En effet, le coût des réformes administratives entreprises par le gouvernement et de son excellence Patrice Guillaume Attal-Talon, président de la République, il a été observé nécessaire de revisiter le cadre structurel des mairies pour les rendre beaucoup plus performantes et plus librement administrées conformément aux dispositions de la Constitution de notre pays en son article 151. Dans le souci de mieux encadrer les collectivités locales dans leur rôle de fourniture de services de base de qualité à la population, trois types d'organigrammes ont été proposés aux communes, à savoir un organigramme pour les communes à statut particulier, un organigramme pour les grandes communes ordinaires de type 1, dont celle d'Abomey-Calavi, une troisième catégorie pour les petites communes ordinaires de type 2. Un comité ad hoc a été mis en place en vue de procéder à la relecture de l'organigramme actuel de notre mairie et de procéder à la réorganisation de l'administration communale au regard du nouveau schéma qui a été proposé. La présente session extraordinaire nous donne alors l'occasion d'analyser la pertinence des propositions faites pour désormais doter notre mairie d'un nouvel organigramme en vue de son meilleur fonctionnement. Au terme de la présentation des travaux du comité ad hoc, les conseillers communaux se prononceront avant la validation de l'organigramme qui sera désormais la structure de gestion de la municipalité. Dans un tout autre registre maintenant, la société de gestion des déchets et de salubrité de Grand Nokwe a démarré les travaux d'assainissement et d'aménagement à la sortie de Cotonou. Cette opération vise à améliorer le quotidien des riverains et à embellir la ville de Cotonou. Natacha Kofi pour les précisions. Société de gestion de déchets et de la salubrité du Grand Nokwe a démarré des travaux d'assainissement et d'aménagement de la sortie est de Cotonou. Du carrefour Le Bélier allant au poste de péage d'Ekpe, l'espace aménagé s'étend sur une longueur de 5 km répartie en trois sections. Le directeur général de la société nous précise ici l'opportunité de ce réaménagement. Quand vous regardez cet espace, il y a deux semaines, c'était plus insalubre, herbeux. Et donc, et il était question de pouvoir rendre propre cet espace et de le maintenir salubre de façon quotidienne. Donc, depuis deux semaines, nous avons mobilisé les PME qui travaillent déjà avec nous. Donc, nous les avons engagés et ces derniers ont engagé environ 300 ouvriers
qui ont travaillé d'arrache-pied durant 2 semaines avec notre appui bien sûr. Et vous voyez aujourd'hui l'espace, on a fini une première étape qui est le désherbage de tout l'espace. Mais ce n'est pas encore fini les travaux. Il y a 2 autres travaux qui vont venir, c'est les travaux de remblai et les travaux d'assainissement pour faire en sorte que les eaux puissent facilement circuler. Et après ces travaux, nous avons prévu que les PME puissent continuer par nettoyer l'espace pendant au moins 2 mois pour maintenir et rendre propre cet espace. À la fin des travaux d'assainissement et d'aménagement, la SGDS-GN prévoit valoriser l'écosystème humide de cet espace en y plantant des arbres. La société se propose d'accompagner dans la mesure du possible les jardiniers qui sont sur le site. Convaincus, les riverains et commerçants heureux ne tarissent point d'éloges à ce sujet. C'est mon étalage là, très sale. Là où nous, on s'est installé, on balaye, on fait tout. Mais les gens viennent d'ailleurs pour venir jeter les ordures dedans. Les gens viennent chier là-bas, on parle, on nous insulte. Mais maintenant, c'est très joli. Ils ont commencé maintenant, ça n'a pas dépassé, disons 2 semaines à peu près, et c'est très très joli. Vraiment, le gouvernement a bien travaillé. On l'a beaucoup apprécié, c'est très bon. Et on l'encourage encore de faire mieux. Moi, j'étais venue. Bon, l'endroit était désordonné, il y avait trop de tas d'ordures. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont pu améliorer l'endroit. Lui, c'était très bien. Je remercie beaucoup le gouvernement pour ce qu'il a fait. En fait, il nous a aidés, nous, ceux qui travaillons dans l'entourage. À en croire le directeur général de la SGDS-GN, d'ici la fin du mois de janvier, l'espace sera beaucoup plus viable et beau pour le plus grand bonheur des citoyens. À suivre au chapitre environnement, l'atelier de validation du projet de rapport de l'étude relative à l'élaboration de la stratégie de développement de la statistique du secteur du cadre de vie, c'était mardi en présence des cadres du 10 ministères. Carole Olaillé pour les précisions. Le projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique a été financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre avec l'accompagnement technique du Programme des Nations Unies pour l'environnement. De ce projet, plusieurs résultats sont attendus, des résultats visant à mettre un terme aux nombreux problèmes environnementaux auxquels le Bénin fait face. L'environnement étant traité par différents ministères et institutions, il est important d'avoir une stratégie appropriée pour tenir compte des efforts que mènent ces ministères et institutions dans leurs secteurs respectifs d'intervention. Mesdames et messieurs, chers participants, vous mesurez dès lors l'importance de la tenue de cet atelier de validation pour notre pays qui est parti à une 20aine d'accords multilatéraux relatifs à l'environnement et dont la mise en œuvre concerne non seulement tous les ministères sectoriels, mais aussi les agences spécialisées du système des Nations Unies, accréditées au Bénin, les universités, les centres de recherche et les ONG. Coordonner donc les informations dans tous les sous-secteurs afin d'avoir des données statistiques exactes et fiables, c'est là le principal objectif de ce projet. Pour ce fait, l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de la statistique s'impose. De cette stratégie, vous dégagez un plan stratégique de développement de la statistique de votre secteur et vous dégagez les modalités de mise en œuvre de fonctionnement de ce système-là. Voilà, nous sommes à cette étape-là. Mais pour les partenaires technico-financiers, que sont le FEM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce qui les intéresse, c'est le plan stratégique sur les questions environnementales, sur les informations environnementales. Et pourquoi? Parce qu'au niveau international, il y a un canevas fixe des normes qu'il faut respecter pour produire l'information environnementale, comment collecter, traiter, diffuser, avec quel équipement. Il y a plusieurs outils avec lesquels on peut traiter.
Et donc, il faut aller vers une sorte de standardisation de la production et de la diffusion de l'information. Ce projet regroupe le Botswana, la Mauritanie et le Bénin. Les travaux issus de ces assises de 48 heures doivent ensuite être adoptés et validés par le gouvernement, ce qui facilitera le rapport annuel sur l'état de l'environnement au Bénin. Eh bien, 24 heures plus tôt, hors du Bénin, la France a de nouveau enregistré une forte augmentation de cas de personnes infectées à la Covid-19. Pour faire face à la progression rapide du virus, eh bien, un couvre-feu avancé à 18 heures pourrait entrer en vigueur dès samedi dans certaines régions à haut risque. Une mesure qui déplaît quelque peu à certains élus qui préfèrent un reconfinement. Reportage. Pas de reconfinement, mais un début de couvre-feu avancé à 18 heures qui ne fait visiblement pas l'unanimité chez les maires des régions concernées. Depuis l'annonce du ministre de la Santé, Olivier Véran, certains édiles font entendre leur colère, comme ici à Nancy, avec le maire de la ville, Mathieu Klein. Je n'espère qu'une chose, c'est me tromper. J'espère que ce couvre-feu sera suffisant, efficace. J'ai simplement aujourd'hui à l'épreuve de mes échanges quotidiens avec les médecins, avec l'hôpital, le sentiment que c'est sans doute insuffisant et trop tardif. Déçus par les mesures annoncées, certains maires n'hésitent pas à prendre eux-mêmes les choses en main pour lutter contre la pandémie Covid-19. À Nice, par exemple, le maire Les Républicains, Christian Estrosi, a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination anticipée dès ce mercredi. Chaque territoire ayant sa spécificité, il se trouve que nous sommes frontaliers avec Monaco, avec l'Italie, avec un aéroport qui est passé de 20 vols par jour à 120 vols, c'est-à-dire le niveau de 50% de fréquentation de décembre 2019. Tout cela a ramené une circulation importante du virus. Tout comme Nice, la région du Grand Est a également accéléré sa campagne de vaccination. Elle débutera dès lundi, 4 janvier. Par ailleurs, pour encourager leurs concitoyens à faire de même, 200 maires s'engagent à se faire vacciner. À l'origine de l'initiative, le maire de Poissy, Carl Olive, qui souhaite lutter contre la défiance de nombreux Français face au vaccin. Un travail pédagogique indispensable, puisque 40% des Français sont encore réticents à se faire immuniser. Et dans le même temps, seulement 40% d'entre eux se disent prêts à se faire vacciner, selon les derniers chiffres de Santé publique France. En image, toujours en France, le réveillon du Nouvel An est placé sous haute surveillance. Je vous en parlais en titre. Il est hors de question de fêter en grande pompe la Saint-Sylvestre. Le ministre de l'Intérieur a décidé dès lors de mobiliser sur toute l'étendue du territoire national, le territoire français, eh bien, près de 100 000 policiers et gendarmes afin de sécuriser ces célébrations. On reste toujours sur le vieux continent, l'Europe, mais cette fois-ci nous changeons d'état. Nous sommes en Allemagne. Les temps seront difficiles. Ce sont les mots d'Angela Merkel 9 mois avant les prochaines élections générales et son départ des affaires. Eh bien, la chancelière allemande s'est adressée une dernière fois aux citoyens pour les vœux traditionnels de Nouvel An, des vœux placés sous le signe de la pandémie. Pour la première fois, la Covid-19 a fait plus de 1000 morts, en 24 heures face à cette deuxième vague très virulente. Et bien, Berlin envisage de prolonger davantage ses mesures de restriction. Qui signe un triste record en Allemagne. Plus de 1100 morts en 24 heures à cause du Covid-19 ce mercredi, avec des chiffres de contamination qui ne baissent quasiment plus depuis une semaine. Plus de 22 000 nouveaux cas ont été détectés en un jour. Des chiffres loin de permettre de lever les gestes barrières. Ces chiffres montrent une fois de plus à quel point ce virus est brutal. Les infections et le nombre de décès montrent également que nous sommes encore très loin de la normalité dans laquelle nous souhaiterions vivre. En tête des régions les plus touchées, la Saxe, particulièrement réfractaire aux mesures de restriction, viennent ensuite la Bavière, le Brandebourg ou encore Berlin. Dans ces Länder, la fermeture des commerces non essentiels, des écoles et le télétravail en vigueur depuis déjà 15 jours n'ont toujours pas montré leur efficacité. La nouvelle variante du coronavirus, plus contagieuse, détectée au Royaume-Uni,
pourrait être responsable de la virulence de l'épidémie ces dernières semaines. Ce mardi, les autorités ont annoncé qu'elle était présente dans le nord du pays dès le mois de novembre. Submergée par la deuxième vague de coronavirus, l'Allemagne a démarré dimanche dernier sa campagne de vaccination. Priorité aux seniors et personnels soignants. 60 000 personnes ont reçu les premières doses. Berlin assure qu'il disposera de 3 à 4 millions de doses d'ici fin janvier. En attendant, l'Allemagne envisage de prolonger le confinement partiel au-delà du 10 janvier. Au pays de Vladimir Poutine maintenant, renforcement des mesures sécuritaires, contre la Covid-19, également à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de la Russie, une conséquence des records quotidiens dus au coronavirus. 30 000 nouveaux cas ont été identifiés et 635 décès constatés ces dernières 24 heures sur l'ensemble du territoire russe, ce qui constitue un nouveau record pour le pays. Moscou reste le foyer le plus important, avec 8205 nouvelles contaminations cette dernière journée. Et c'est probablement en région où la situation est la plus compliquée. Ainsi, le ministère de la Défense a annoncé l'envoi de 2 unités médicales vers la Crimée afin de faire face à la pandémie sur place. Contrairement à la plupart des pays d'Europe, il n'y a pas de confinement imposé en Russie. Unique mesure, en plus des gestes barrières classiques que sont le port du masque et cette hausse quotidienne du nombre de cas, ne montre pas de signe d'affaiblissement. Alors que pour voir une amélioration de la situation, il faudrait arriver à ce point de bascule, comme l'a évoqué Vladimir Poutine. Une période de travail conjoint encore plus complexe et intense est encore à venir. Nous devrons poursuivre la lutte contre l'épidémie du coronavirus, inverser le cours des choses, préserver une forte mobilisation du système de santé publique et de l'ensemble des services sociaux de l'État, et bien évidemment, tirer les leçons de tous les problèmes auxquels nous avons fait face et auxquels nous nous sommes attaqués, assurer la reprise de l'emploi et une croissance économique soutenue. Bien entendu, les autorités placent beaucoup d'espoir dans la vaccination de la population. Mais même si celle-ci a déjà commencé depuis le 5 décembre, il faudra probablement attendre encore plusieurs semaines, dans les conditions actuelles, pour renverser la tendance. Dans la suite de cette édition d'information, nous sommes au Yémen. Le gouvernement promet de rétablir la stabilité au lendemain d'une attaque meurtrière. C'était hier, où des explosions ont fait au moins 26 morts et plus de 50 blessés. À l'aéroport d'Aden, eh bien, la capitale provisoire du pays, juste au moment où l'avion qui transportait le nouveau gouvernement d'Union venait d'atterrir. L'arrivée se voulait triomphale. Après s'être posé sans encombre, l'avion transportant les membres du nouveau gouvernement yéménite s'immobilise devant une foule de partisans. L'appareil provient de Riyad, où les autorités du Yémen vivent en exil depuis 2014 à la suite de l'offensive des Houthis. Alors que les membres de ce nouvel exécutif se préparent à descendre sur le tarmac, la cérémonie est interrompue. Des coups de feu et une première explosion retentissent tandis que la foule se disperse dans la panique. Quelques instants plus tard, une deuxième explosion survient. Une épaisse fumée noire s'élève alors dans le ciel. Après avoir repris le contrôle de la situation, le gouvernement communique. Tous ses membres sont indemnes, mais plusieurs dizaines de personnes ont été tuées ou blessées. Les dégâts matériels sont, eux, considérables. Dans une allocution, le Premier ministre yéménite dénonce un acte terroriste. C'est un acte terroriste lâche. Cela met le gouvernement face à ses responsabilités, c'est-à-dire mettre fin au coup d'État, reprendre le contrôle du pouvoir et répandre la stabilité dans notre pays. Même si le chef du gouvernement yéménite ne les nomme pas, son ministre de l'Information accuse les Houthis d'avoir mené cette attaque. Un attentat qui survient alors que le fragile pouvoir yéménite s'est enfin doté d'un nouvel exécutif d'union le 18 décembre dernier. Cette nouvelle équipe va tenter de reprendre le contrôle d'un pays ravagé par 5 ans de guerre entre la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les Houthis. Face à ces insurgés soutenus par l'Iran, les coups de boutoir des Saoudiens épaulés par leurs alliés et les forces gouvernementales restent vains. Pour prendre l'ascendant, Riyad a négocié un accord avec les séparatistes du sud du pays.
Une alliance qui ne leur a pas encore permis de reprendre le contrôle des territoires tenus par les Houthis. La guerre au Yémen a plongé ce pays dans la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. Eh bien, c'est tout pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Merci de nous avoir suivis et par anticipation, le meilleur à toutes et à tous.